Hey, salut les rivals, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hogwarts et Cassie alias Poudlard alias que du plaisir. Et je l'ai fait. Je me suis pris la tête, mais je l'ai fait. J'ai toutes les dernières de Miggy's. À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Eh bien, vous n'avez pas chômé. Excellent. Merci. Don. Voici mon dernier cours sur Alohomora. Yes. Avec ses connaissances, plus aucune serrure ne vous résistera. Vous avez fait tout ce que j'ai demandé. J'aurais simplement aimé savoir qui a placé ces statues. Enfin, si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à les enlever. Mais bien vous sûr. Vous rendrez un fier service à votre concierge. Et si jamais je trouve le vaurien à l'origine de ce tour cruel, je vous en ferai part. Et merci encore une fois pour votre aide et votre ténacité. Je t'assure qu'au début, je voulais faire mon gentil, hein. Mais maintenant franchement, s'il nous dit qui l'a fait, je le pourris. Parce que c'était vraiment un truc résistera. Trop chiant. Mais continuez à chercher ces statues de demi-guise et leur lune, je vous prie. Donc, du coup, je vais re-sauvegarder avant qu'on commence. Parce que j'ai eu des sauvegardes pétées, j'avais fait tout ça. Et mes sauvegardes ont complètement explosé. Mon jeu était foiré. Donc, j'aimerais pas que ça recommence. Donc, vous voyez, je suis en train de faire 2-3 sauvegardes supplémentaires, histoire d'avoir des sauvegardes de plus en cas où s'il y a de la corruption, parce qu'apparemment, le Steam Cloud corrompt les sauvegardes de Hogwarts Legacy. Je préfère vous prévenir. Ceux qui ne le savent pas encore, désactivez votre Steam Cloud, gardez tout en local pour les sauvegardes. Et du coup, donc on a quelques quêtes à faire hein, aujourd'hui. Vous voyez, on a Sébastien, évidemment, qu'on va certainement faire, et dans l'ombre de la montagne. Mais d'abord, et ça, faudra qu'on la fasse ensemble aussi. Je pense que vous voudrez voir la capture du phénix, le truc le plus rare du jeu. Ouais, je la ferai peut-être avec vous aussi. Mais avant ça, parce que ce serait dommage qu'on ne profite pas de Alohomora 3, attendez, laissez-moi juste le temps de me repérer. Tour de l'Orle. Non, c'est pas là qu'on veut aller. Le truc du proviseur, il est là. Donc si je veux aller là-haut, ce serait par la salle des trophées. Pour finir ce qu'on a commencé au dernier épisode, quand même. Il y a un petit, même très gros secret qui se cache là-haut, chez le directeur. Donc ce serait sympa qu'on le fasse ensemble et que je vous laisse voir ça, c'est le dernier secret de Poudlard, après tout, je serais con de pas vous le montrer, n'est-ce pas? Vous voulez le voir? À mon avis, je sais ce qu'on va trouver dans cet endroit secret, hein. Ça doit être le livre des admissions, je pense. Désolé si je spoil, mais bon, toutes les trucs en Alohomora 3, je les ferai certainement hors cam. À moins que vous vouliez un gros épisode à la fin, après le fait que j'aurais fini le jeu pour intégralement terminer le jeu, après les quêtes principales. Je sais pas, à voir, dites-moi après tout. Vous êtes pas mal à me regarder maintenant, donc donnez-moi vos impressions. Donc ce qui nous intéresse, c'est ça. Et je me suis renseigné. Hein. Pour l'avoir, il fallait Alohomora 3 pour aller débloquer quelque chose par là-haut. Parce qu'elle m'intriguait, cette fameuse porte. Donc, je voulais voir. Donc, on va déverrouiller d'abord celle-là, n'est-ce pas? Hop. Donc, vous voyez, quitte à créer un mini-jeu pour Alohomora, quitte à ce que ce soit niveau 1, niveau 2, niveau 3, ils auraient pu le rendre, je sais pas, une roue pour le niveau 1, deux roues trouvées pour le niveau 2 et trois roues pour le niveau 3. Est-ce que vous voulez? Ah, hop là. Donc nous voilà dans une petite chambrée, n'est-ce pas? Un petit coffre pour du légendaire, normalement. Voilà, très bien, parfait. Hop. Hop. Qu'est-ce que ça dit? Cher Phineas, les enfants n'ont cessé de demander votre retour, Belvina en particulier. Me pose la question chaque matin et fait la tête lorsque je lui rappelle que vous assurez la qualité de sa future éducation. Sirius et Phineas
Oh, les prochains blagues, bah oui, ne m'envoient que peu de hiboux. Et quand ils le font, ils ne vous mentionnent pas. Je suis certaine qu'ils sont fiers de vous et de votre travail à Poudlard. Avoir le directeur pour père est un immense honneur, donc tout vient de là. Merlin me vient en aide, pardon, j'ai du mal à lire. Et Sinus s'est mis à suivre Arcturus comme son ombre. Arcturus ne suit plus de lui donner une potion d'invisibilité et je dois dire que je le comprends. Je serais tenté de lui en préparer une si je ne redoutais pas les pleurnicheries incessantes dont m'abreuverait alors Sinus. Peut-être nous verrons-nous lors d'un prochain jour férié, mais ne vous sentez nullement obligé. Nous pouvons nous débrouiller. Ursula. Revelio. Oh, un truc qui crie tout seul. Par contre, j'entends bien que ça digne très fort là autour de moi. C'est où? C'est où? C'est au-dessus de ma tête. C'est au-dessus de ma tête. Donc ça doit pas être cette porte-là où est la clé du truc. Ça doit être là-bas, je pense. Ouais, ça doit être ça. On y va, on y va. On va faire ça ensemble, comme ça vous aurez le secret. On le fait ensemble. Ça nous prend un peu plus de temps que prévu. Mais je pense que ça devrait vous plaire que je le fasse avec vous. Tac. Ah, 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 c'est ici. Alors, voyons cette dernière pièce. Ramasser. Professeur Black, lettre datée du 20 septembre, je ne modifierai pas le processus d'admission à Poudlard, cordialement. D'accord. Ah, la fameuse clé qu'il faut trouver pour le petit secret. Revelio. Il n'y a plus de ding à ce niveau-là, donc ouais, d'accord. Hop, on descend. On avait ce qu'on avait besoin, n'est-ce pas? Hop, 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 hop. Allez, allez, pousse la porte. Je sais bien que je suis pressé, mais quand même. Petit backdash. Et... let's go, ouvrir. Eh ben... ça, c'est du verrou, hein? Wow! Encore un truc à légendaire. Hop là! Je me dis que je devrais pas les ouvrir et que j'attends le level max avant de faire ça. Wouah! Je sais que j'ai envie de maximiser le jeu, mais bon. Wouah! Ah ah! Attendez. Hop là! Le livre des admissions, c'est donc le dernier secret de l'art. Et il écrit sec en plus. Il y a des petits coffres un peu partout. Ah bah tiens, la dernière truc qu'il me fallait pour finaliser tous les manches de baguette. Et page du guide du sorcier, nous y voilà. Plume d'acceptation et livre d'admission. La plume d'acceptation et le livre d'admission étaient placés ici par les fondateurs de l'école et n'ont pas été déplacés depuis. Ils font apparaître le nom de tous les élèves potentiels de Poudlard dès le moment où leur capacité magique se manifeste. La plume est plus tolérante que le livre, qui peut parfois se fermer brusquement avant qu'un nom ne soit écrit si les preuves magiques ne sont pas suffisamment évidentes. Et il vient de se fermer d'ailleurs. Revelio. Donc là, j'ai tout eu. J'ai tout eu. Parfait. Bon, on commence nos petites affaires, les gars. Allez, hein. Moi, je dis qu'on commence. Voyons. Donc, nous disions. L'envol du phénix. Donc ça, je pense... je sais pas si on va la faire aujourd'hui, celle-là. Attendre des nouvelles de Glanwyn. Donc, on a ça à faire. Prévoit de parler à Anne... à l'insu de Solomon. On va commencer par ça et après ce sera certainement la quête principale. Ouais, on va faire comme ça. Hop. Ils sont à Chai, évidemment, comme d'habitude. Hein.
Et ce coup-ci, j'ai prévu mon coup, j'ai tout ce qu'il faut. Hop, on va partir d'ici. Suivez-moi les enfants. Enfin, il y a des enfants moins enfants que des enfants sur la chaîne, si vous voyez ce que je veux dire. Mais... On dirait que suivez-moi quand même, on est tous des gosses à fond dans Harry Potter. Attendez, je vais juste faire un tout petit truc. Parce que je pensais que c'était ça qui avait foiré ma sauvegarde, mais c'est pas le cas. Donc je vais vous rajouter un peu de netteté pour vous. Voilà. Parfait. Bonjour, tu vends c'est quoi? C'est un plaisir. Qu'est-ce que je fous avec ces lunettes pour rats sur le nez? Bon, tant qu'il y est, qu'est-ce que t'as en stock, hein? Que cherchez-vous aujourd'hui? Tu n'as pas ce qui m'intéresse, donc va-t'en. C'est quoi ça? Moi, je voudrais vendre ça. J'ai mieux en ce moment? Ouais, bon, allez, hop. Hop. Ok. Hop. Tant que j'étais dans le secteur, hein, ça aurait été con de pas le faire. Moi, je me vide les poches avant qu'on fasse la quête principale. 60 mètres, je vais quand même pas sortir le balai pour faire 60 mètres. Vous êtes d'accord avec moi? On y va à pète. Allez. C'est parti. Bastien, une relique enfouie dans des catacombes qui nécessite un sacrifice obscur. Je sais de quoi ça a l'air, mais si ça peut t'aider, le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que Minis est au courant? Il m'a aidé à trouver le scriptorium où on a découvert le livre de sorts de Serpentard. Très bien. Si Ominis est là, je vous rejoindrai. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Solomon veut quitter Feldcroft. Hein? Partir? Peu importe. Tu dois le retarder, Anne. Gagner un peu de temps. S'il te plaît. Je ferai de mon mieux. Je te donnerai des nouvelles. Très bien. Solomon ne peut pas arracher Anne à Feldcroft. Où irait-il? Quand la verrai-je? Calme-toi, je veux te Sébastien, parler. Sébastien, je n'arrive pas à croire que mon oncle veuille quitter Feldcroft. Anne doit le retarder. Nous avons besoin de temps. De temps? Pourquoi? J'en sais plus sur la relique. J'ai comparé le livre de sorts de Serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque. Et j'ai fini par réaliser quelque chose. La relique ne fonctionne que dans les catacombes. On peut y arriver? Nous devons juste amener Anne dans les catacombes et découvrir comment faire un sacrifice obscur. Notre plus gros défi sera certainement de convaincre Minis. Anne n'acceptera que s'il est d'accord. Et ton oncle ne doit rien savoir. S'il prévient le directeur, nous pourrions être renvoyés. Cette fois, laisse-moi m'occuper d'Ominis. Quant à mon oncle, il n'est plus Aurore. Ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire. On va dire ça, hein. Il va te tomber dessus, ouais. Tu penses que ton oncle pourrait en informer le ministère s'il découvrait ce qu'on faisait? Même s'il l'apprenait, quand même. Ça m'étonnerait qu'il aille au ministère. Je crois qu'il ne les a pas quittés en très bons termes. Il refuse d'en parler, mais je pense que son aversion pour la magie noire a quelque chose à voir avec sa carrière. Anne pense qu'une fois, il s'est résolu à combattre le feu par le feu, pour ainsi dire, et à utiliser un sortilège impardonnable sur un mage noir. Enfin, c'est ce qu'elle pense avoir entendu. Après qu'il a réalisé ce qu'il était devenu, il a rapidement quitté le ministère. Donc, ça m'étonnerait qu'il dénonce maintenant sa propre famille au ministère pour utilisation de magie noire. Bonne chance avec Ominis. Oh là, à la prochaine. Je te préviendrai quand il sera temps de se retrouver dans les catacombes. Attends, mon hibou. À bientôt. Ok, très bien. Vous m'excusez si vous avez plusieurs sauvegardes à chaque truc, hein. Comme je vous ai expliqué, il y a un délire avec le jeu en ce moment, donc je veux pas de blagues. Hop, on laisse finir. Sauvegarde terminée. Ok. Là, du coup. Ah oui, au fait. Exploration. Bah oui, percer les secrets de Poudlard, j'ai eu le troisième secret avec ça. Bam! Ça que c'est fait. Gardez-moi ce 100%, ça me fait trop plaisir de le voir. Alors. Next, n'est-ce pas? Donc si je dis pas de bêtises, je vais juste laisser le jeu me sauvegarder le reste. Me charger peut-être la prochaine mission de Sébastien au passage. Ou peut-être pas. Je suppose qu'elle est liée à l'autre. Certainement. Bah du coup, on va se lancer dans la quête principale. Hein, on va faire ça.
Bam, reçu un hibou de la part de Sébastien, il semble que malgré rien, il soit prêt à reprendre notre quête du dernier fragment du triptyque. Ouais, c'est des quêtes liées, ça. Ouais, d'accord. Très bien, très bien. Du coup, où est-ce qu'on doit aller ? À Shayogen ! Mais votre cher hôte a pensé à tout. Eh oui, on a tout ce qu'il faut pour y aller. Moins d'épisodes, mais mieux de plus de préparation pendant que je travaille. Eh ouais, je pense à vous, les gars. Let's go, let's go. Alors, là par contre, on va prendre... Hop là, mon balai ultra amélioré. Miaou. Regardez-moi ça, comment on fonce maintenant. Salut les nazes. Je repasserai plus tard parce que j'ai vu qu'il y avait un coffre ici. Wouhou. Hop là. Attendons. Coucou Sébastien. Cette n'a rien pour elle. Alors Sébastien, let's go. J'ai reçu ton hibou. Merci, je suis content de te voir. J'ai repéré des fidèles de Ranrock qui arrivaient de la côte. J'ai entendu l'un d'entre eux dire qu'ils se dirigeaient vers une autre grotte, semblable à celle qu'on a trouvée. Comment se fait-il qu'ils aient une longueur d'avance sur nous ? Ils ne peuvent pas connaître l'existence du triptyque. Je ne sais pas. J'ai vu un autre souvenir. Cette fois, il s'agissait d'une gardienne nommée Niamh Fitzgerald. Elle semblait contrariée par la façon dont Isidora utilisait la magie ancienne. Mais je ne sais pas encore si tout cela a un rapport avec Ranrock. Ces gardiens se moquent tout bonnement de toi. Tu dois leur tirer les vers du nez. Ça ne marche pas comme ça. Pour accéder à ces souvenirs, je dois réussir une épreuve. C'est pas aussi facile que tu le penses. Ils me montrent les souvenirs dans un ordre particulier. Ils... Oh. Soit ils ne te font pas confiance, soit tu ne te soucies pas assez d'Anne pour poser les bonnes questions. Wow, calme-toi. Bien sûr que je me soucie d'Anne, Sébastien. Ne laisse pas ta frustration prendre le dessus. On y est presque. Bon, pour l'instant, je vais m'en remettre à tes amis les gardiens. Mais ça ne me plaît pas du tout. On n'a pas le choix. Bon, essayons de comprendre pourquoi le triptyque nous a menés ici. Donc ce serait... Allons-y vite, avant de nous faire repérer. Hey, calme-toi, toi. D'abord, le style, mec. Ça va pas, toi. Parce que déjà, hors de question que j'ai ça pendant les cinématiques, hein, soyons clairs. Tac, voilà, donc là j'ai mon mode. Mais par contre, est-ce que c'est une magie noire ou pas? Parce que je sais pas si c'est une magie noire ou pas. Attendez, on va tenter un truc. Ouais, de laine sombre, ça a l'air pas mal. Là, on se fait un petit style hein, quand même pour aller bien. Peut-être pas de braconnier quand même. Ouais, on a du stuff hein, maintenant, ça rigole plus. Hein. Fais voir un peu. Bon, comme c'est peut-être magie noire, on va se mettre en mode magie noire. Hein, vous en dites quoi? Juste au cas où. Juste au cas où. Avec ça, ouais, voilà, très bien. Et où sont les gants de magie? J'avais ça aussi. Tac. Voilà. Hein, juste histoire de. Un mini style, parce que je sais pas si c'est mode magie noire ou pas. J'ai vu des larbins de Ranrock s'éloigner du chemin, juste devant nous. Je me demande pourquoi. Pour piller, j'imagine. Cette montagne abritait les objets de valeur des hameaux du coin. Mais elle a été abandonnée quand Ranrock s'est emparé de la côte. Attends, c'est pas là qu'il faut aller ? Ah mais je vais pas voir le... Ouais, ils ont bloqué le... Messieurs ! J'ai pas ce qu'il faut, là. J'ai pas ce qu'il faut. Donc pour un instant, on va mettre ça là. Parce que je sais pas si je veux qu'on le fasse ça tranquille ou pas. Eh, psst. Eh. Petit focus, Totalus. Ah. Eh merde. Oh, bon bah d'accord. Je me suis foiré.
Ouais, d'accord. Voilà. Je suis pas chaud. Je suis pas chaud, j'ai pas joué avant. Bon travail. Hop, voilà, la potion Engelbrecht. On a quelque chose autour. Enfin, on se récupère ça, parce que ma salle sur demande aussi, il va falloir que je la pimpe. Ah, c'était même pas obligatoire de la faire, en fait. Oh, bon. Au moins, elle l'aura faite. Des sombrales devant. On dit que c'est un mauvais présage. Tout le monde ne le pense pas. Ils sont dans les airs, je peux pas les attraper. D'accord. C'est quoi cet endroit ? Je préfère la conversation. Je ne veux pas gravir cette montagne en silence. Oui, c'est mieux en causant. Raconte ta life, vas-y, fais-toi plaisir. Ça en fait de la trotte. Petite trotte, petite trotte. Tu suis, machin ? Allez, Sébastien, une, deux, une, deux. T'as pas travaillé ton cardio comme mon perso, toi, hein, ça se voit. Hein. Tout audio. Revelio. Confringo. Je sais pas s'il faut faire tout au passage, mais... C'est triste que nous puissions tous les deux voir les sombres. Ouais. J'aurais préféré qu'on ait un point commun un peu plus joyeux. Pas de shiny, c'est tout. Je voulais vérifier avant qu'on y aille, voir si je pouvais choper un shiny. J'ai déjà chopé un shiny central, mais j'en aimerais bien deux. Les voilà. Je les entends. Allons-y. Attends, nous devons d'abord trouver un plan. Hey, toi. On est assez des plans. Ah ouais. Pas un bruit. T'as envie de mourir, c'est ça? Je ne faisais qu'à suivre les ordres. Petrificus totalus. Hop. Souffrir, deux avec un. Attends. Ils m'ont pas vu. Enfin, je crois qu'ils m'ont pas vu. Quelqu'un est là? Ah non, y a personne. Non, non. Pchit, pchit. Pchit, pchit, y'a que dalle, t'as rien vu. Pchit, pchit. Et toi? Chouin? Bon, d'accord. Ok. Hop. Hop là, non, non, non. Hop. Bombarda. Où sont les prochains? Qu'est-ce qui t'a pris? J'imaginais. Ah, c'est lui qui nous a fait détecter. Ça aurait pu nous coûter la vie, mais on a survécu. Semblait bien que je m'en étais sorti. On dirait que les fidèles de Ranrok ont suivi ce chemin. Continuons d'avancer. Arrête de faire nawak. Laisse-moi mon gameplay, Sébastien. Non, c'est pas par là. J'allais faire une ânerie. C'est par là. J'essaie de me rappeler juste ce que j'ai sur quel raccourci. Parce que, ça, par contre, c'est chiant. Hein. Il n'y a pas assez de raccourcis, clairement. La vengeance de Ranrok sera terrible. Tout ce qui est fait d'argent gobelin nous appartient. Qu'il s'agisse d'une épée ou d'un dépôt, ça nous revient. Tu as entendu ce gobelin? Ces notions de propriété sont ridicules. On va les détruire avant qu'on ait un problème. Je crois qu'ils étaient au-dessus, hein. Il me semble les avoir entendus au-dessus, on va vérifier. Ah, ils regardent tous de ce côté-là. Est-ce que j'aurai le temps de... Chouing ! Non. Incendio. Tiens, pour changer, un incendio, bam. Tous les fidèles de Ranrok méritent le même sort. Bon travail. Je suis beaucoup trop fort. En fait, c'était le bon endroit. C'était le bon endroit. Hop. Je
J'ai déjà visité par là, donc c'est pas la peine que j'y retourne. En fait, j'y suis allé la dernière. Je suis d'accord. Off-cam, mais. Bon sorcier, c'est un sorcier mort. Radrock a raison. Un bon gobelin, c'est un gobelin mort. À atteindre ses objectifs. Ouais, ouais. Moi aussi, tu vas voir mes objectifs. Mon objectif, c'est de te la mettre en faisant. Que coucou! Chouing! Petrificus Totalus, corvée de guerre. Ah bah tu guépopes très très bien, parce que je viens de tuer ton pote devant toi. Et... chouin ! Doublette ! Rien vu, rien entendu ! Et... chouin ! A plus ! Et... il en reste un petit là-bas. Ah, il regarde devant, donc c'est un peu... foiré, mais... Hop là ! Parce que j'ai la furtivité max ! C'est sûrement ici. Sébastien ! Attends ! Attendre ? Pourquoi ? Oh, pourquoi tant de prudence tout à coup ? Mais toi, t'es beaucoup trop compliqué. Je sais que t'es en colère et que t'es contrarié. Il faut te calmer. Mais en fonçant tête baissée, tu pourrais réduire à néant tous nos efforts. Lodgok a dit. Ah, ton ami, le gobelin. Arrête, ça suffit. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock. Je suis dans ton camp. Nous voulons la même chose. Trouver des réponses. Je pensais qu'on voulait la même chose. Et c'est le cas. Écoute-moi. Lodgok a des informations sur Ranrock que nous n'avons pas. Il m'a dit que Ranrock était au courant de l'existence des gardiens et fouillait tous les endroits en lien avec eux. C'est pour ça qu'il semble toujours avoir une longueur d'avance. Je sais ce que je fais. Tu dois me faire confiance. Sans quoi, nous ne pourrons pas continuer ensemble. Aka, bon, arrête bon. De foutre la merde et suis-moi. Je suis désolé. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Et ce n'est pas la première fois. Oui. Je te fais confiance. Et je ne pense pas pouvoir aider Anne sans toi. Bien. Ranrock en sait plus que nous le soupçonnions. Il faut faire attention. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Et certainement pas foncer tête baissée. Nous avons beaucoup à faire. Nous devons travailler ensemble si nous voulons avoir une chance de trouver la dernière pièce du triptyque. C'est ça. Je suis d'accord. Laisse faire Bibi. Non mais oh, je vous jure. Ici. À l'ombre de la montagne. Let's go. Y a rien ici, hein. Revelio. À part des petites choses. Ouais, y a deux, trois petites choses à droite, à gauche. On va les récupérer quand même. Là, voilà, on y est. J'avais ouvert cette cheminette déjà? Ouais, vous voyez, j'avais prévu le coup, hein, mais bon, c'est tout. Hein. Le jeu nous donne Sébastien avec nous, donc on n'a pas le choix de le faire en direct. Rentrons. Revelio. Hey, tu me suis, tu fais pas nawak, Sébastien. Jusqu'ici, tout va bien. Charmant. Des araignées. Tout est normal. Confringo. Oh, il s'est pris un combo Confringo avec nous deux, c'est joli. Bam. Ils ont plus le niveau, les araignées, ils ont plus le niveau. Revelio. Il y en a une là-haut, je peux la choper. Oh bah, moi qui ai... Confringo. Hop. Toi, tu vas être avec nous, toi, je le sens. Toi, t'as envie d'être une copine. Hop là, magie noire. Allez, tue tes potes. Bombarda. T'as vu des copines à toi encore ? Je peux plus la loquer. Ah, ça y est, ça revenait. Voilà. Très bien. On continue son petit bonhomme de chemin. Où est la dernière oh, oh, la petite maline. Allez, descends. D'accord. Bon bah. Il y a une araignée de moins dans ce monde. Je vais mieux dormir ce soir. Tu m'étonnes.
Attends, il y avait deux manières de passer là, j'ai pas fait attention, c'est ça? Attends. Ça, c'est explosable. Ah ouais. C'est presque aussi bien que si je l'avais fait moi-même. Hey, un passage alternatif. J'ai failli rater ça. Oula. Faisons pas bugger le jeu. Allez, va-t'en, là, y a la toile. Ce coffre voilà. Était à deux doigts de tomber. Non, oh, je pense qu'il en faudrait... Deux coffres? Ouais, je suis d'accord avec toi. Pas par là, ça sent que je vais encore mourir comme dans l'épisode... L'épisode de la mort dans l'ombre, si je me rappelle bien, et j'ai pas envie. Ces araignées ont l'air bien décidées à nous dévorer. On doit être plus ragoûtant qu'une paire de gobelins. Ouais, venez les pas belles. Rappelez-moi d'augmenter le niveau de difficulté du jeu avec le fameux mode de niveau de difficulté du jeu. Parce que clairement là je leur roule dessus. Mais... Non mais oh. Elles sont pénibles ces petites bêtes, non? J'ai perdu l'habitude d'esquiver les trucs parce que en fait j'en ai plus besoin. Regardez, ils m'ont presque rien fait quoi. Il faut que j'augmente la difficulté du jeu. Faut que j'y pense la prochaine fois. Pourquoi un escalier mènerait-il ici? Quel intérêt? À mon avis, personne n'est venu ici depuis une éternité. Un petit peu de dictam, ça fait toujours plaisir. Même si je suis tout le temps full en potion maintenant. Revelio. Non, je peux pas les toucher. Bon, d'accord. Revelio. Qu'avons-nous par ici? Confringo. On explose tout ça avant que ça nous pète à la tronche. Regarde un peu cet endroit. Ce n'est pas mon style. Un peu chargé, si tu veux mon avis. Ouais, ça sent surtout l'arène à conneries, ça. Voyons, qu'est-ce qui me tombe dessus? Rien? Ah, si! Oui, c'est pourquoi? Tiens, prends ça, hop là! Hop là! Ah, bonjour toi! Bam! Prends tes flammes! Bombarda ta face! J'ai quoi en stock? Tiens, un petit incendio! Hop là! Tu sais quoi? Non, ça marche pas sur elle? Tiens, endoloris ta face! Voilà! Traverser la grotte ne doit pas être la seule épreuve. Nous devrions peut-être chercher d'autres runes. En vrai, je me suis fait un build. Il est monstrueux. Peu importe ce que je fais, ça maudit les gens et tout. Et au final, même quand j'en maudis un, ça maudit les autres. Du coup, je double mes dommages comme un fou furieux. C'est n'importe quoi. Dégagez les mini-araignées. Mes vieux arachnophobes, ils vont encore péter un plomb. Enfin, péter un plomb. Vous avez pas râlé encore. Mais... Je sais que vous êtes dans la souffrance pour ce genre de choses, donc je me moque pas, je sais que c'est quelque chose de très sérieux. J'ai la chance de ne pas avoir ce problème, personnellement, donc je me plains pas de mon côté. Confringo. Oui, dégage la toile. Est-ce que je trouve ces coffres par chance ou par instinct? Techniquement, c'est pas toi qui les trouves, c'est moi, mon grand, mais ça peut te faire plaisir de dire ça. Ok, très bien. Donc, je sais, hein, je les ai vus. Hein. C'est juste que je regarde autour de moi, je veux rien louper. Est-ce qu'on peut monter là-haut? Mais t'es violent, Sébastien, aujourd'hui. Pourquoi tu casses des caisses comme ça, là? Hein? Il faut préserver le mobilier. Bon, d'accord, j'arrête. Hop. Réveillon.
Je m'assure qu'on n'oublie rien. Je veux pas perdre des coffres de collection comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas monter là-haut, hein. Y a aucun moyen. Je veux dire, ils ont pas mis de plateforme ni rien. Non. Ok. Ok, ok. Allez, on avance. Là. Là. Et tu veux-tu bien me viser ça, s'il te plaît? Hey, arrête de m'emmerder. Ah d'accord, ok, j'ai vu. Autant pour moi. J'allais râler sur le jeu, mais non, en fait, c'est pas le jeu, c'est moi. Hop. Hop. Ça suffit? Ça suffit pas? J'en ai raté un. En aurais-je raté un? Je crois pas pourtant. Vous en avez vu un, vous, ailleurs? Je crois pas, hein. Ou suis-je aveugle? Non, hein. Bon, je l'ai peut-être fait trop lentement, je sais pas. Dépêchons-nous de sortir d'ici. C'est bon? C'est bon. Ok, j'ai dû le faire trop lentement, je suppose. Revelio. Petit parchemin. C'est une avancée majeure, le pouvoir que j'ai obtenu avec mes processeurs, celui grâce auquel j'ai invoqué et construit de si beaux piliers, doit être drastiquement pondéré pour la tâche délicate à laquelle je m'attelle désormais. Si cela ressemble à la suppression d'un souvenir, la magie employée est bien différente. Alors que je retirais la moindre nuance de douleur au-dessus du cœur, une légère brume a fait son apparition avant de disparaître tout aussi rapidement. J'ai ressenti un sentiment de paix, comme si on ne confirmait que j'étais sur la bonne voie. Je me demande si la brume peut être capturée, si des souvenirs peuvent être stockés dans une pensée. Je gâche que ces extraits peuvent être conservés afin de les étudier plus avant. Sébastien, il y a un extrait de journal. Essayons d'en trouver d'autres. Elle aurait quand même... Rébellion. Tous ces textes au même endroit. Ouais, j'avoue, elle est chiante quand même. Encore une arène ? Ah oui, une belle arène. Bonjour toi. Il a l'air un peu vénère. Son cri était buggé par contre. Bon mon cher ami. Attends. Est-ce que je peux Impero un troll? Impero. Hop là. Bute les araignées, vas-y. J'ai la flemme. Bah tu te l'es plus vite quand même. Oh oh, joli le troll. T'arrêtes pas en si bon chemin. Hein. Ah, j'en Doloris le troll au passage. Tu vas te calmer, oui. T'es censé être avec moi là. Il est censé être avec moi. Ça dure pas bien longtemps, je suis un peu dégoûté quand même. Joli travail. Rien de tel qu'un troll en colère pour souder une amitié. Ouais. C'est vrai que ça a commencé comme ça entre Sébastien et moi après tout. Une bromance, tout ça. Y'a rien ici. Revelio. Pourquoi j'entends encore le troll dire des choses? Non, j'ai rêvé? Certainement. Confringo. Ce troll a vraiment mis le bazar. Il y a des débris partout. Oui, j'ai compris, tu veux que je répare le machin, mais... Rébellion. Attends un petit moment, Sébastien. On fouille, on 100% le jeu, ok? Donc... M'embête pas, Sébastien, et suis le move. On connaît ça, n'est-ce pas? Ça, on est d'accord que... Non, c'est bon. C'était juste pour être sûr. Hop, allez. Nickel, easy. Ah, c'est juste pour 31 petits gold? Bon, ok, d'accord. Donc il me faut un réparo quelque part.
Hop. Réparo. Regardez mon power level. Oups. Ce n'était pas ça. Je te le fais pas dire. Avec tout ce que la France prend dans les dents en ce moment, avec les catastrophes naturelles et tout, on en aurait bien besoin d'un sort comme ça, hein, les gars. Ah, mon Dieu. Ce monde part en vrille. Enfin bref, on est là pour du fun, on est là pour du fun. J'arrête mes adénaries. Non. Quel plaisir ce fut d'aider mon père après toutes ces années. Il le fait d'entendre à nouveau sa voix. Je ne pourrais expliquer combien cela n'avait manqué. J'avoue que je n'attendais pas la réaction du gardien. J'aurais dû m'en douter. Tais-toi, je lis. Sébastien! Pourquoi ne font-ils rien alors qu'ils ont le pouvoir d'accomplir tant de choses? Qui est le professeur Rackham pour me dire ce que je dois faire ou non avec les talents qui sont les miens? Dire qu'ils se permettent de juger mon travail sans rien comprendre de mes exploits? Je garde tout de même espoir. La directrice a eu l'air de comprendre où je voulais en venir. Le moment venu, c'est elle que j'irai voir. Elle pourra et voudra peut-être m'aider. En attendant, je dois poursuivre mon œuvre sans personne, mais ce n'est que temporaire. Je finirai par trouver quelqu'un pour m'aider. Quelqu'un qui sera en mesure d'appréhender le don que j'ai reçu et la nécessité d'en faire usage. Mes vieux cachets, mes découvertes, pour le moment, un jour, je pourrai les partager avec quelqu'un comme moi. Revelio. Un extrait de journal. Isidora était ici. Oui, donc ça on voit. Il monte pas là, vraiment? Bon, d'accord, ok, ok. Action. Wingardium Leviosa. Hop. Hop. Je dois avoir un Leviosa par ici. Leviosa. Hop. Utilise tes biscotto. Ok, c'est reparti. Revelio. J'ai l'impression qu'il y a une pièce juste là, non? Je suis à bout de souffle après toutes ces marches. Mais la vue, elle vaut vraiment le coup. T'es sérieux, là? Confringo! Revelio. On réveillise tout. Ils vont pas se réveiller ce... Waouh. J'allais y aller comme ça, moi. Quand j'entends beaucoup de monde en dessous ou au-dessus. Je sais pas si vous les entendez. Ah! 1, 2. Généralement, il y en a 3. Non? Généralement, il y en a 3. Hop. Alors, imaginons que. Hein, bing. Bing. Et. Il n'y en a pas 3, hein, on est d'accord? Je n'en vois pas trop. J'ai dû en manquer un quelque part. Ah. On dirait que c'est à l'étage. Donc ça doit être plus loin, je suppose. Encore une barrière. Je suis certain qu'on peut la faire sauter. Ça ne peut pas être un sac. Il doit y avoir un étage au-dessus. Oui, je te confirme ça. Je me sens chaque jour plus capable, mon objectif n'a jamais été aussi clair, je sais que je fais un indispensable, blablabla, je vous laisse lire pour l'histoire, vous mettrez la pause. J'en ai marre de lire, je crois que je lis trop depuis tout à l'heure. C'est assez inquiétant. C'est quoi là? Hop, voilà. J'ai pas trouvé le prochain, si, le prochain je crois qu'il était derrière ça, j'ai cru le voir avec la vidéo. Presque aussi bien que si je l'avais fait moi-même. Hé, arrête de la ramener, Sébastien. Je ne peux pas croire que cet endroit n'ait appartenu qu'à Isidora. Mais le triptyque nous a menés jusqu'ici. Confringo. J'ai pas envie de redescendre. Revelio. Je descendrai après. Là, et là-bas, il y a un truc à péter. Et là, il y a ça. Un autre symbole runique. J'ai l'impression de parler couramment la langue runique, maintenant. C'est cela, donc. Donc, là, du coup, où est-ce qu'il est planqué, le troisième?
J'avais cru le voir. J'avais cru le voir, je dis bien. Où est-ce qu'il est ? Bon, déjà. Vas-y, descends, descends. T'as pas peur. Oh, c'est une potion Winglewell, sérieusement. Je viens de descendre pour ça. Réveillon. J'essaie de réveiller. De réveiller, hein, évidemment. Je suis à fond aujourd'hui. Hein. Oh la vache, je réveillise. Hop, hop. Bon cardio. Pousse-toi, Sébastien. Incroyable. Je vais me faire me casser la gueule. Ok, donc j'ai pas le choix de continuer par là. Ouais, c'est ça. Ok. Confringo. Bon. Voilà, donc maintenant on sait où ils sont. Il y en a un ici et l'autre est là. Ok. Bing. Bing. Et... Bing. Let's go. C'est peut-être une zone créée par... Isidora a dû affûter son talent pour la magie ancienne ici. Et le 7 sur 7, j'ai le dernier. Vous laisserez lire. Let's go. Je sais, grâce aux souvenirs que j'ai vus, que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Si seulement tu pouvais voir l'un de ces souvenirs. Examiner la salle. J'ai encore des choses dans les airs, là, mais comment je peux y aller, là-bas? Je peux, là? Ouais, je peux. Let's go. C'est smooth. À part moi qui fouille un peu trop, comme d'habitude, parce que je suis un énervé de la complétion, mais... Hop. Réveillon. Ok, il veut absolument que j'examine la salle. Ah. Ramasser. La dernière toile du triptyque. Yes. On a réussi. Isidora n'aurait pas dû avoir à garder tout ça secret. Je sais, grâce aux souvenirs que j'ai vus, que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Mais je ne comprends pas pourquoi elle semble s'être donné tant de mal pour raconter son histoire sans qu'il le sache. Si seulement tu pouvais voir l'un de ses souvenirs. Oui, c'est sûr. Si on complète le triptyque, on y verra peut-être plus clair. Utilisez le passage magique. Entrée. Retour à la crypte direct. C'est quand même pratique. Hein. Quand je pense aux aventures que ce triptyque nous aura fait vivre. Donc, juste pour m'assurer, hein, désolé, j'ai besoin de me rassurer beaucoup. Chasse aux pages manquantes, 14 février. Hop. C'est vrai qu'on y est depuis le février. Réveillon. Je vous le fais vraiment dans toutes ses mesures, le jeu. Ce suspense est insoutenable. Vas-y, place-la. Placé. Bah alors ? Isidora, montre-toi. Ah, on a sa pancine, mais pas la meuf. D'accord. C'est ça qu'on cherche depuis le début. Je me demande... Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va voir. Père, je ne pourrais pas ramener mon frère. Mais je peux vous offrir la paix. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir... Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est du repiquage, on l'a déjà vu, ça. Voici mes collègues de Poudlard.
Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora. Qu'avez-vous fait? Il ne souffre plus. Merci. Ça a marché? Oui, ça a marché. Évidemment, c'est de l'argent gobelin. Il me faut quelque chose de beaucoup plus grand. Très bien. Ça m'aiderait si vous pouviez m'expliquer ce que vous voulez y mettre. De la magie. Des restes d'un sort que j'ai conçu contre la douleur. Mais, utilisé correctement, ce pouvoir pourrait aider encore davantage de gens. Pourquoi voudriez-vous contenir une telle magie? J'ai besoin de la garder en sécurité le temps de persuader mes collègues de sa valeur. Un tel pouvoir peut être effrayant. Ah ouais, tu m'étonnes. Y'a de quoi? Tout le monde n'est pas prêt à manier un tel pouvoir. Peut-être pas. Mais ça viendra un jour. Elle a supprimé la douleur. Je le savais. Je savais qu'il y avait un moyen d'aider Anne. Quelque chose cloche, ouais, Sébastien. Pourquoi ça? Tu as bien vu ce qu'elle a fait? Non, pas les souvenirs, c'est le portrait. Je crois que si Isidora ne s'est pas montrée, c'est qu'elle ne le peut pas. Je ne comprends pas. Nous avons déjà vu ça avant. La maison en ruine de Feldcroft, la peinture détruite, c'était elle. Bon, quelqu'un a détruit un petit bout de toile enchantée. Mais on a trouvé le souvenir. Oui. Oui, c'est vrai. On a vu ce qu'elle voulait qu'on voie. On a vu ce qu'elle pouvait faire. Ce que nous, on peut faire. Moi, je n'ai aucune idée de comment elle s'y est prise. Alors il faut que tu l'apprennes. Les gardiens te l'enseigneront. Je doute qu'ils soient d'accord. Les gardiens pensent que retirer la sensation de douleur, c'est... C'est une magie complexe qui peut vite devenir imprévisible. Elle doit être maniée très prudemment. Ou pas du tout. Pas du tout ? Tu as surmonté chacun de leurs défis. Tu as largement fait tes preuves. Tu peux le faire. Tu en as la capacité. Ouais, mais non. Pas d'accord sur ce coup-là. Je te suis pas. De toute façon, je suis sûr que j'ai pas besoin de ça pour Avada. S'il te plaît. Il faut que tu parles au gardien. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour Anne. Pourquoi les gardiens voulaient-ils faire taire Isidora? Pourquoi détruire son portrait? J'ai terminé dans l'ombre de la montagne. Il m'envoie d'autres quêtes? Non, tu m'en envoies pas d'autres? Voyons. Ouais, donc ça, on va garder ça pour la prochaine fois. On va certainement avoir la prochaine fois aussi l'autre quête. Avec... notre Watabélélandaise. Du coup, je sors juste pour qu'il m'active les quêtes et faire ma petite sauvegarde. J'ai trouvé une déforeuse de Ranrock dans une mine. Ah bah voilà. Le long de la côte. Je compte bien la détruire. J'en ai assez d'essayer de le raisonner. Vous pouvez bien sûr m'accompagner. Mais si je ne vous y vois pas, je vous contacterai à mon retour. J'ai quelque chose pour vous. On dirait qu'on a de la quête pour la prochaine notre fois. Notre Gok est bien plus en danger qu'il ne le pense. Je ferais mieux de le trouver. Oui, oui, oui. Donc du coup, les gars, je pense que le prochain épisode qui sortira, on fera certainement donc cette quête-là.
hein, trouver l'entrée de la mine. Et je suppose qu'à un moment ou un autre, il va me débloquer celle avec la Miss. Donc on fera ça aussi. Et on fera certainement l'envol du phénix si on a le temps pour aller capturer la bête la plus rare du jeu, le phénix. Sur ce, les amis, pensez à mon petit abonnement, mon petit like, mon petit commentaire. Et je vous dis à vendredi pour la suite. Bisous, bisous les rivals.